Bonjour, soyez les bienvenus ici au Salon des Vins de Loire d'Angers, le rendez-vous professionnel des acteurs du vin situé entre Saint-Nazaire en Loire-Atlantique et Château-Meillant dans le Cher. En compagnie d'Éric Aubron, nous allons pendant une heure environ vous présenter ce vignoble très divers à travers Éric, plusieurs thèmes. De nombreux invités viendront vous rejoindre, l'occasion notamment d'aborder les nouveaux marchés à l'export. Vous le verrez, les vins du Val-de-Loire intéressent de plus en plus la Chine. Et puis nous parlerons des secteurs porteurs tels que les vins bio ou encore les fines bulles qui concurrencent aujourd'hui le champagne. Alors avant d'accueillir notre premier invité, je vous propose de découvrir le périmètre et l'histoire du vignoble du Val-de-Loire. Une histoire très ancienne, comme nous l'explique Yann Perry. Ce sont les Romains qui ont importé la vigne dans la région du pays nantais il y a 2000 ans. Puis l'activité va se développer sous l'impulsion de Saint-Martin et de ses disciples vers le 4e siècle. Le vignoble des vins de Loire est le plus étendu de France. Il se développe le long du fleuve royal de Nantes à Clermont-Ferrand. Constitué de mosaïques de vins et de vignobles parfois très éloignés géographiquement, il s'est forgé une identité forte grâce et autour du fleuve. La Loire et ses nombreux affluents jouent un rôle modérateur en favorisant l'existence d'une multitude de microclimats propices à la culture de la vigne. Quatre grandes régions de production ont vu le jour, le Pays Nantais, l'Anjou, le Saumur, le Touraine et le Centre. Un secteur qui représente 70 000 hectares d'exploitation, 69 appellations et 400 millions de bouteilles produites. Un vignoble très diversifié grâce à son sol qui peut être argilo-calcaire, sablo-graveleux ou schiste. La production des vins blancs arrive en tête avec 52%, suivi des vins rouges à 26%. Les rosés représentent 16% et les vins des fines bulles 6%. Les vins de Loire s'exportent bien en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie. En France, 4 ménages sur 10 consomment des vins de Loire. Alors vous nous rejoignez sur le plateau de France 3, installé ici sur le salon des vins de Loire, un salon dont vous êtes le président, Pierre Aguilar. Merci de nous accueillir sur ce salon en 2011. Alors en quelques mots, qui vient dans ce salon et pour faire quoi? Qui vient pour acheter? C'est du moins ce que nous souhaitons. Ce sont essentiellement des acheteurs de vin de Loire, bien entendu, mais destinés un petit peu à tous les marchés. Marché de la grande distribution, nous avons les acheteurs de la grande distribution qui viennent. Nous avons bien entendu tout ce qui est restauration, tout ce qui est caviste et tous les gens qui font du détail et qui viennent nous voir sur ce salon.